Laissez-vous bercer par les contes des mille et une nuits susurrés à Liévin jusqu'au 11 avril. Il paraît même qu'il y en aurait certains exclusivement réservés aux adultes. L'idée, c'était de faire découvrir ou redécouvrir ces contes, parce qu'on connaît beaucoup Ali Baba, Aladdin, mais ce ne sont pas forcément... c'est une partie des contes des mille et une nuits, puisqu'ils en contiennent mille et un. Voilà, donc le but, c'était vraiment de faire découvrir toute cette culture aussi. En fait, on voulait faire découvrir cet univers-là, ce monde-là des mille et une nuits. Mais avant, on avait travaillé pour les tout-petits sur un auteur avec Pomelo, et après, on travaillera sur la bande dessinée. Donc le but, c'est vraiment de promouvoir la lecture et les différents types d'ouvrages. Et donc, on a choisi... les illustrations de Charlotte Gasteau, parce qu'on trouvait que c'était une façon aussi ludique d'aborder le sujet. Elle est plus illustratrice, en fait, c'est une illustratrice. Et elle travaille aussi beaucoup à partir de la palette graphique. Donc elle dessine, mais elle utilise aussi beaucoup les techniques modernes, donc ce qui est aussi intéressant, et qui donne aussi, on trouve, une profondeur à ses dessins. Elle est partie de 5 contes qui sont tirés des Mille et une Nuits, dont Ali Baba, qui est un des plus connus, mais aussi d'autres qui sont moins connus. Et elle a fait les illustrations à partir de ces textes-là. Elle est partie sur l'idée que le but, c'était effectivement de faire découvrir d'autres contes, mais c'était aussi d'amener aussi peut-être un style d'illustration différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir par rapport aux Mille et une Nuits. Les dessins ont été créés spécialement pour ce livre-là. Ce que vous avez derrière moi, ce sont des originaux, donc ce sont les dessins qui ont servi à faire le livre. Les contes sont racontés par Michel Laporte. On a voulu vraiment recréer l'ambiance des Mille et une Nuits. C'est pour ça que vous avez des voilages, des objets, une petite ambiance sonore aussi, olfactive parfois. Et le but, oui, c'est vraiment que les gens se sentent à l'aise et aient envie de s'installer et de lire 1, 2, 3, 4, 5 contes. Alors, une partie vient de l'exposition où on a loué, qui est la galerie Jeanne Robillard. Et on a ramené aussi des objets personnels, étant grande voyageuse. Alors, vous pouvez la voir en bibliothèque sur le pôle Nord du 31 mars au 11 avril, aux horaires d'ouverture de la bibliothèque. Donc tous les après-midi et le mercredi matin. En fait, si vraiment vous voulez boire du thé, il faut venir le 5 avril. On va avoir une journée conte sur le pôle Nord, avenue des Rousseaux. Vous aurez deux séances, une séance à 14h30 pour le tout public, pour les enfants, et une séance pour les adultes, très adultes, à 19h. La séance qui aura lieu à 19h, ça s'appelle « Contes d'amour et d'érotisme ». Donc c'est vraiment la version adulte des Mille et une Nuits, puisqu'au départ, ils étaient quand même plus dirigés vers les adultes. À la base, c'était pas du tout pour les enfants.